probablement, l'éducation, c'est le plus beau métier du monde, parce que être capable de faire passer à la fois des idées, des comportements, ouvrir les autres à un savoir qui les conduira quelque part, etc. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau métier. Moi, toute ma famille a été une famille d'enseignants. Grand-père, père, oncle, cousin, etc. Je suis le seul à avoir échappé à cette, entre guillemets, malédiction. Mais pour moi, ça reste un espèce de rêve, un jour de pouvoir m'attaquer à l'éducation nationale, c'est-à-dire vraiment être un acteur de la vie et du changement dans l'éducation nationale. Je pense que les enseignants ne sont pas aujourd'hui valorisés comme ils pourraient l'être. C'est-à-dire, d'abord, ils ne sont pas assez bien payés, ça c'est clair. Les carrières sont parfois décevantes, mais surtout, ils ne sont pas assez considérés. Alors que moi, qui avais un père instituteur, l'instituteur, à l'époque, était quelqu'un qui était hyper respecté. Il avait une espèce de... Bon, c'était un peu du sacerdoce, sans provocation, hein, ou vraiment du bénévolat. Mais je pense que maintenant, les enseignants doivent être respectés, revalorisés. C'est vraiment au fond. Partager quelque chose avec des gens qui ensuite vont faire peut-être à la limite mieux que vous, il n'y a rien de plus beau.